nos vies de manière solennelle. Devant Dieu, devant les hommes, d'être unis pour aller jusqu'au bout du peuple, de la lutte que nous voulons tous mener, que nous menons pour la libération et le bien-être du travailleur congolais. Nous nous engageons aujourd'hui sous le regard de Dieu à respecter toutes les décisions qui émaneront de la coordination et des travailleurs à être un seul homme, uni et jamais prêt à trahir. Nous nous engageons devant Dieu, devant l'histoire, devant nous, nos enfants, nos aïeux et les générations futures, que nous ferons en sorte que cette lutte aboutisse. Cette lutte aboutisse à la revalorisation du salaire du travailleur congolais, à son bien-être, au fait que nous puissions considérer comme des humains, comme des êtres vivants, et non comme des bêtes de sang. Nous avons l'intelligence. Pour cela, nous avons chanté notre hymne, qui par ses mots, par ses paroles, distingue. Vaincons ou mourons, mais dans la dignité. Parce que nous sommes des hommes dignes. Nous avons chanté pour ces chemins. Ensemble, avec tous les travailleurs qui, au même moment, à cette même heure, dans toutes les villes du Nord-Sud, sont en service général. Parce que l'heure est là que nous devons réussir notre lutte. Salut à toi, béni de nom.
de des pères de la nation. L'Éternel bénisse vos mots. Nous avons invoqué notre Dieu. Le tombeau est l'ordre de l'humanité. Et l'heure a sonné pour que vous et moi fassions du tombeau l'ordre de l'humanité. Jusqu'à la mort, nous irons. Nous sommes prêts. Si en scène, nous sommes morts, nous sommes aussi prêts à le faire. Mais au moins, l'histoire retiendra qu'on est mort pour faire la valeur de mon aide et cette vie. Vous le direz à vos enfants et à vos petits-enfants que vous étiez là, que vous avez fait la vie là. Et je le dis, les noms des 50 des travailleurs de mon aide, en tout cas les noms de ceux qui auront fait cette lutte, resteront gravés à jamais dans l'histoire de notre nation. C'est la première fois qu'un mouvement pareil prend fort dans notre nation. Et même en Afrique. Parce que la synergie est appréciée dans tout le monde entier. Le BDD avec les ambassadeurs demandent à savoir ce qui se passe quoi. Qui sont-nous? Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas une marchande de parti politique. Nous sommes des travailleurs congolais qui c'est là. Qui demandons le droit à la vie, à la dignité, à le salaire décent. Dieu nous bénisse. Dieu touche le cœur de nos dirigeants, qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils comprennent. On en répond eux. Au contraire, on veut les aider à faire de ce pays l'ordre de l'humanité. Oh,